On est ravis de vous retrouver pour cette rencontre qui s'annonce au mieux. Pourquoi? Parce que le ciel est dégagé, parce que la pelouse a été pichonnée, parce que l'échauffement s'est parfaitement passé. On a même vu des attaquants réussir des frappes incroyables en pleine lucarne pendant cet ultime entraînement. Je peux vous dire que s'ils les reproduisent en match, on va se régaler. Bref, l'ambiance est magnifique et on espère forcément entendre ce stade vibrer au rythme des très nombreuses occasions. Voilà un stade magnifique, plein comme un neuf, c'est parfait pour ce match. En voici une belle affiche entre deux équipes de très gros calibre. Oui, et vu que c'est un match amical, on peut espérer voir les joueurs tenter des gestes un peu improbables. Ou les managers essayer des nouvelles choses, pourquoi pas. Ça devrait être un match ouvert et agréable. Et le coup d'envoi a donc été donné. Dites-moi, Darren, qui sera pour vous le joueur de cette rencontre? Évidemment, il va falloir suivre de très près Zlatan Ibrahimovic. Et ce n'est pas... Et la tête! Oh, dans la surface. Nouveau ballon dans la... Oh, l'aspiration! Et non, ce ne sera pas pour cette fois. On voit qu'ils ont vraiment envie de ce but. Vous avez vu le nombre de joueurs qu'ils avaient dans la boîte? Rafael Leao qui choisit de jouer en retrait. Arthur. Bettencourt. La passe est précise. Bien, la profondeur. Cristiano Ronaldo. Et c'est le bon but. Le match vient de débuter, mais lui, il est déjà bien présent. Ibrahimovic, ça peut faire mal s'il est servi. Kerr qui tente une passe longue. Un peu d'oxygène pour sa défense. Arthur. Arthur qui a un peu d'espace. Cuadrado. C'est bien conserver sa lucidité maintenant. Le centre. Arthur adore ce genre de position pour tirer. Alors dès qu'une occasion se présente, il pilonne. Et c'est bien normal quand on a son talent. Ce sera le premier
corner du match. Quelle détente! Il manquait pas grand chose là! Eh ben dis donc, c'était chaud! Arthur qui récupère ce ballon. Il cède sous la pression. Coup franc pour la Juventus. Rabiot qui cherche une solution. Avec Dybala. Il va au duel. Dybala ! Jolie technique pour se créer l'occasion, mais la fin de l'action n'est pas à la hauteur du début. Ouverture lumineuse. Çalhanoğlu. Une occasion peut-être pour Ibrahimovic. Il dégage. Il est bien placé. Il n'a pas pu se retourner face au but. Quel dommage. Bien joué le coup, mais ça ne rentre pas. Un peu d'air pour la défense. Oh, le duel. Pour le gardien, je crois. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. De Ligt. Rabiot. En retrait pour repartir proprement. Allongé, Ibrahimovic, bien placé sur ce long ballon. Dans le dos. Non, il n'a pas joué le ballon là. Et l'arrêt, magnifique! Oui, quelle intervention! Honnêtement, moi je la voyais dedans. Il allonge vers l'avant. Hernandez. Long ballon dans le sens du jeu. Avec Dybala. Oh, le bon ballon! Au tour du gardien de jouer. Le gardien loin devant. Ibrahimovic. Oh, Higuaín. Ce ballon bien dosé. Quelle occasion, attention.
L'ouverture était lumineuse. Dommage. Mais quelle vista là, quelle vision du jeu. Et ce petit ballon piqué en profondeur. Gagner donc les vestiaires avec ce petit bout d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. Qu'a-t-on appris dans cette première période? Je ne sais pas ce que vous en pensez, Grégoire, mais je trouve qu'il mérite beaucoup mieux. Regardez les stats et surtout le nombre de tirs. Un petit but, c'est par les deux équipes. 1-0 à la pause. Et c'est le coup d'envoi, encore 45 minutes. Un petit but d'avance, ils font la course en tête pour l'instant. Bien tenté. Coup franc pour la Juventus. Caissier qui va échapper ce coup-là au carton, mais la prochaine fois, l'arbitre n'hésitera pas. Se prendre un carton alors qu'il reste autant de temps de jeu, ce serait vraiment dommage. Il va au duel. Il est sur le côté. Oh, attention! Faut-il là? Oh, l'intervention magnifique! Il dégage. Hernandez. C'est joué long. La défense l'a très bien muselé sans lui laisser d'espace pour se retourner. Quelle passe. Bétancourt. Higuain. Bonne intervention. Oh, il y a danger. Énorme occasion. Oh, c'est fabuleux. Un moment de pure inspiration. C'est bien. Le tableau d'affichage indique désormais 2-0. Alors là, c'est un but qui fait du bien. À 2-0, ils peuvent voir venir. L'interception au bon moment. Alexandro. Higuain. Superbe intervention contre un joueur qui part en dribble comme ça, il ne faut pas se rater. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Ah, c'est dommage, c'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Oh, le duel. Il a essayé d'y aller seul, mais sans réussite. Il ne résiste pas au contact. Avec Ronaldo. Et il perd l'équilibre. Bonne intervention qui stoppe net ce one-man show. Oh, le contre, l'arme fatale. Romagnoli. Le ballon donné dans la profondeur. S'il le trouve, il y en a un qui a le droit à un traitement de faveur. C'est pas étonnant, vu ce qu'il a déjà fait. Voilà, un coup franc intéressant. Allez, on va en rester à l'avertissement verbal de la part de l'arbitre. La prochaine fois, ce sera carton. Je peux comprendre que ce soit frustrant de se retrouver dans cette situation. Mais il doit s'en vouloir, même si la faute était presque inévitable. C'est une vraie occasion, il peut décider de tenter sa chance. Où ils seront décrochés s'ils encaissent un but. Cristiano Ronaldo.
parti, le score est maintenant de 3-0. Kerr, un long ballon vers l'avant. De Ligt pour un nouveau ballon récupéré. Paolo Dybala. Regardez ça, encore intercepté. Çalhanoğlu. Bonne interception, il y avait danger. Oh, Ibrahimovic. La grosse intervention. Dybala. Peut-être une occasion pour Cristiano Ronaldo. Et le gardien repousse, c'est parfait. Et ça venait de loin, il répond présent. C'était une frappe tonitruante, ça a bien failli mettre le gardien en difficulté. Et bien sûr, s'appliquer l'importance du coup de pied arrêté. Ça joue long vers l'avant, mais il était bien présent. Higuain. La passe dans la profondeur. Bien servi. Cristiano Ronaldo. Il faut quand même féliciter les gardiens, c'était une sacrée parade. Hernandez qui joue long. Bettencourt. Ça peut aller au bout. Cristiano Ronaldo. Superbe intervention. Oh, il faut le garder à l'œil celui-là. Vous avez vu comme il a transpercé la défense, mais sa frappe manquait de conviction. Voyons ce que va donner ce corner. Qui est récompensé de son pressing. C'est le moment de centrer. Ça peut être dangereux. Quel manque de précision. Rebic. Va-t-il en profiter? Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. C'est intercepté. Un peu d'air pour la défense. Pousserant pour la Juventus. Et il est sanctionné. Carton jaune. Rabiot. Arthur, il va provoquer. Oh, le beau geste. Le soutien derrière lui. Bien tenté. C'est terminé, l'arbitre siffle la fin de cette rencontre. Et quelle différence à l'arrivée au tableau d'affichage. On l'a vu aujourd'hui quand même, de gros problèmes défensifs au niveau du marquage. Alors, que retenir de cette rencontre? Ils ont encore démontré que le chemin le plus court pour marquer, c'est de passer dans l'axe. Eh oui, mais bon.